Bijou, il a commencé à manger alors qu'il hésite de m'attendre. Attends. Laisse-le manger. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va manger un grec avec mon petit frère. C'est quand la dernière fois on en a mangé ensemble. Ça fait quand même longtemps. Ouais, hein. Et puis, ça fait quand même assez longtemps que je voulais manger des grecs, mais le magasin avait fermé. Frère, je suis obligé de venir avec toi. Mais là, le magasin ici, là, il avait fermé parce qu'ils étaient en, je pense qu'ils étaient en construction et tout là. Donc là, ils viennent de rouvrir. Non, ils ont rouvert il y a à peu près 2-3 jours, ok? Ça fait longtemps que j'avais envie de manger un, tu vois. Et maintenant qu'ils ont rouvert, on est venu. On va manger, on va grailler un peu là et... Je suis en train de saliver carrément. Bon les gars, nos grecs viennent d'arriver, regardez le mien. Ça, c'est à moi. On a pris la même chose, des frites et le grec là. Attends, Bijou, il a commencé à manger alors qu'il hésite de m'attendre. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Non, attends. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je sais pas ce que tu fais. Touche pas, Bijou. Je sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce que je t'ai dit? Mais je sais pas ce que tu fais. Hein? Non, mais qu'est-ce que... Je t'ai dit de m'attendre, tu n'as pas attendu. Là, tu comprends. Arrête. Regarde, attends. Laisse. Moi, touche pas, Bijou. Ah, non, ok, non, c'est pas la blague. Touche pas. On arrête. Ok. Laisse-le manger. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a... L'hiver. C'était il y a genre 4 mois que je suis venu ici. Les frites sont bien croustillantes. Ah. Les frites sont meilleures que le tacos qu'on a acheté. Il y a quelques jours, on a acheté des tacos et puis les frites étaient huileuses à mort. Genre. C'était juste de l'huile. Et en plus, on a demandé de la sauce algérienne, ils ont juste mis un à chacun. Frère. Genre, c'était pas ouf. Ici, il y en a deux, frère, tu vois. Beaucoup de compassion. Il n'y a personne là, mais seul. Donc là, tu n'as plus besoin de chuchoter. Je ne sais pas pourquoi tu parles doucement, frère. Parle. Quoi? Parle bien. Allô, Junior? Dis, nous tout le monde, ça dit quoi? Tout le monde, nous pour une nouvelle vidéo. Tout à l'heure, tu chuchotais là, non? Il y a une personne là. Derrière, là, il y a une personne. Non, parle. Continue à parler, non? Ok. On est seul, frère Jean. Ah, moi, je n'ai pas vraiment grec. Déjà? T'es plus de fruits que moi. Non, c'est même pas la blague. Touche pas. Non, frère, what? J'ai plus de fruits que toi. Alors, demandez. Non, je vais passer à mon grec. Vas-y. Premier croûte. Hein? Les fruits sont tombés. C'est bon ou pas? Ça va tomber. T'as vu, ça va tomber. C'est bon? C'est bien. C'est qu'elle vient de couler, hein? Viande de poulet, merguez. Est-ce qu'il y a des merguez dedans? On parlait au tacos, le poulet est tendre. Attends, c'est ça le poulet tendre? Frère, tu as fait tomber une grosse jambe. Mange tout ce monde! Y'a personne qui est là, t'es pas pressé. Qu'est-ce que tu vas faire avec la viande là? Tu vas la ramasser où? Tu vas faire quoi avec? Ouh, non. C'était un morceau comme ça, tu l'as fait tomber. Mais ça veut dire qu'il est bien rempli. Si elle démontre qu'il tombe, ça veut dire qu'il est bien garni. Moi, si je vais y aller, est-ce qu'il y a des merguez dedans? Non. Il n'y a pas de merguez. C'est quoi ça alors? Du bacon. Ça? Non, mais c'est halal. Bacon ou bœuf? Ah, oh, ok. Je tourne pas aussi. Mais il est bon. Mmh. Je pense qu'ils ont vraiment mis beaucoup de viande parce que vrai qu'on est tombé. Il y a beaucoup qui tombent. C'est pas comme toi là. J'ai salivé de ça. Comment? Depuis le matin, t'as pas. Non, t'as mangé le matin. Ouais. On a prévu ça. Et après, on n'a rien mangé à la maison, tu vois. Quand on a dit qu'on allait y aller là, pour ne pas se remplir trop. Mais prends les tomates, non, pourquoi je les jette? J'aime les tomates quand ils sont pas cuits. Quand ils sont frits.
Qu'est-ce que tu racontes? J'aime les tomates quand ils ne sont pas cuits. Quand ils sont cuits, tu te contredis dans tout. J'aime les tomates. Quand ils sont cuits, quand ils ne sont pas cuits. J'aime les tomates quand ils sont. J'ai dit, j'aime les tomates quand ils sont pas cuits. Quand ils sont crus. Ah, ok, j'ai compris quand ils sont pas cuits. Quand ils sont cuits. Ça me remplit déjà. Tu vas pas finir? Si tu finis pas, donne-moi. Non, mais ça va. Tu vas me laisser à la maison? Ouais. Regardez ce qui reste, frère. Regardez ce qui reste. Déjà rempli, la compte là, t'as pris à peu près la moitié. T'as pris la moitié. Alors, si tu veux, je vais te donner. Tu peux demander à l'arrière s'il peut te l'emballer. Mais tu le ramènes, tu dis qu'il te l'emballe. Là où? Je vais demander. S'ils emballent? Emporté. Si tu touches. Oh! Dégage, je prends des frites. Je vais pas te prendre tout ça sans gré, je vais juste prendre des frites. Mais j'aime bien les frites. J'en ai eu beaucoup, frère. Comparé à lui, regardez tout ça. J'ai eu beaucoup de frites alors que je mange des frites depuis le début, là. Il en reste beaucoup. On va donner un peu. J'ai rien touché, je te garantis, j'ai rien touché. T'as vraiment pris un croc. Bisous. Je te jure, j'ai pas touché. J'ai pas pris un croc, je te jure. Mais t'as touché mes frites. J'arrive. Bon les gars, j'allais. Il y a une meuf là qui rentre. Attends, on trace. Ça fait deux fois. À chaque fois que j'entre ici, il y a une meuf qui rentre. Hmm? C'est vrai. Je sais pas c'est quoi. Et là, la meuf qui vient de rentrer là. La dernière fois quand j'étais venu, il y avait une meuf. Aujourd'hui, ouais, elle est avec sa daronne. Fuck! Non, mais elle a l'air d'avoir genre 20 ans, tranquille. Elle est vieille. Elle est vieille, elle est âgée, ouais. Elle est avec sa daronne. Donc c'est encore mieux parce que quand elle est avec sa daronne, si elle met mon petit frère, fais ta face genre cute, toi. Fais ça. Ouais, c'est mon petit frère et tout. Et là maintenant, genre, elle va dire, oh, il est cute. Tu vois? T'entends sa voix? T'entends sa voix? Bon, t'es prêt, bisous? Genre cute là, mode cute, mode cute. Tu veux ou pas? Amène-le si tu veux à la maison. On se rend à mis beaucoup de frites, j'ai remarqué ça. Assez de frites. Non, c'est parce que toi, t'as mangé vite les frites. Mais moi, je te dis, j'ai pas eu. C'est pour ça que j'ai pris un gros budget quand t'étais de remplir ta boisson. Ah non, c'est bon. En plus, t'as pris. Ouais. On verra. Tu passes un peu de frites? Non. Attends, c'est ça. Regardez ce qu'il amène à la maison. Ça vaut la peine ou pas? Non, parce qu'il reste deux bouchées. Ok, si je la, tu le laisses dans la boîte là, si je l'amène à la maison, ce soir je le mange, je vais pas me dire, oh, je vais avoir une bouchée. Ok, mais juste, mets-le dans le frigo. Non, 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 genre quand je dis, genre si je l'amène à la maison, dans une heure, je le chauffe et je le mange, dis pas après, oh, c'est à moi, hein. Mets-le dans le frigo, bon. Tu veux le garder? Mais finis-le en même temps, il n'y a rien, il y a genre une bouchée. Je suis trop en vie. Ok. Donc tu veux pas la sauce à gérer, hein? Oui, 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 oui. T'as plus de frites, t'as rien. Oui. Je voulais pas juste ouvrir un pour rien, là. T'as rien, t'as reste rien. Ou bien. Gros yeux, en plus, non, 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 là-bas, elle là. Elle est plus petite que ce que je t'ai donné tout à l'heure. Ça va bien. Lui, il a fini, il est tranquille. Tes mains sont propres? Ouais. Là, c'est à mon tour. Là, tu as fait quoi aux toilettes?
Puis je vais acheter tout ça, les affaires. Ah. Donc là, tu as pris ça. Au final, tu as pris ça pour rien. J'achète tout ça là. Moi, je vais finir. Je vais acheter en même temps. Quand tu lèves dans mon plat. Tu sais, j'ai décidé mon plat. Il y a tout encore à manger là. Ah, je fais ça. Il y a quoi à manger? J'ai tout ça à manger. J'ai mon grec, j'ai ça, j'ai des frites, j'ai ça. Enfin, je fais ça, mets ça dans la poubelle. Il y a juste ça. Je mets des déchets dans mon verre. Il a jeté sa bouteille là, genre pour prendre la boisson là. Après, yo, les gars, vous êtes témoins. Après, il va me demander de lui donner un peu. Il a vraiment jeté, alors qu'il peut se servir, il l'a mené à la maison. Ah. Je remplis la vie. T'as fini? Ouais. En tout cas, moi je valide. Tu sais pas, toi? J'ai plus faim. Plus faim, plus soif, frère. Plus rien. Ça m'a vraiment fini tout le temps. Les gars, voilà ma dernière bouchée de mon grec. Ma dernière bouchée. Trois. C'est trop bon. Tu veux? Tu auras l'honneur de le goûter? Non, merci. La dernière bouchée, tu ne veux pas? Oui, si tu avais pris ça, j'aurais mis ma main à l'intérieur de ta bouche, j'aurais mis le chercher. Serait comme ça. Bon, bref, les gars. Ok. C'est pas que j'ai fait avec ces frites là, c'est pourquoi je les ai mis au bout. Qui ne sait pas qu'elles sont tombées là? Elles sont tombées ici, là je les ai mis au bout. Ça t'apprendra. Bon bref. Elles sont tombées où? Ah ici. Ah ouais? Peut-être, peut-être pas. Ça me dérange. Ça te dérange parce que t'as tout craché. Ça te dérange. Attends, elle avait ta bouche parce que ça te dérange un peu. Tu allais mettre de l'eau dans ta bouche. C'est ça, non? Qu'est-ce que tu fais? Quitte là. Merci Junior de m'avoir fait goûter. En vrai, j'avais déjà goûté le déjà, pain. Déjà, pourquoi tu chuchotes? Je ne chuchote pas, je parle d'un comme d'habitude. C'est pas comme ça. Merci Junior de m'avoir acheté. Merci Junior de m'avoir fait goûter le grec. Mais en vrai, de vrai, j'avais déjà goûté, mais je pense que moi, j'ai déjà goûté. On a déjà goûté le maximum. Moi, j'ai déjà goûté lui avec l'œuf. Je te dis, il y a déjà goûté celui-là aussi. T'as déjà goûté celui-là aussi. Il y a fait de l'œuf dans le mien. On a pris celui-là la dernière fois. Moi j'avais déjà pris un grec avant, hein? Mais il avait de l'œuf. C'était pas sans œuf. Bref, moi je me rappelle ce que j'ai pris. Et après, c'était ça. Les frites étaient bonnes. En plus, il y avait genre de l'assaisonnement. Genre quelque chose. Bisous. On a déjà pris avec l'œuf, mais tu as déjà pris celui-là. Pardon, ne fais pas, attends, fais pas, non, ne fais pas comme si tu n'as jamais pris celui-là. Tu as déjà pris celui-là. En plus, un complet la dernière fois, un complet en plus, ça le pire. La même chose, mais il y a genre quelques mois, tu as pris ça. J'ai une question pour moi. Tacos ou kebab? Mettez-le dans les commentaires, tacos ou kebab. Kebab. Attends, bisous, appelle là, s'il te plaît. Bisous, appelle avec tes yeux, s'il te plaît. Appelle-la. Like, abonne-toi et dis-moi une nouvelle vidéo. De toute façon, c'est... Grec, grec ou tacos. Moi, personnellement, avec ce que j'aime manger... T'as dit kebab ou grec. Maintenant, tu dis grec ou tacos. T'as dit kebab ou grec. Genre, est-ce que... Genre... Mais attends, là, je suis en train de bug. C'est bon. Les tacos ou les kebabs. Moi, personnellement, avec ce que je viens de manger, je préfère les kebabs. Parce que le tacos que j'ai mangé la dernière fois, il y avait un cheveu dans mon tacos. Mais ça, c'est à revoir plus tard. Mais là, personnellement, là, je préfère les kebabs. Donc, vous, qu'est-ce que vous préférez? Like, abonne-toi. Et qu'est-ce que vous faites vidéo? Donnez dans les commentaires des suggestions de dégustation à faire. Mais ça c'était pas vraiment une. Mais c'est une dégustation? Moi, c'est une dégustation parce que j'ai jamais mangé ça. Je n'ai jamais goûté ça. T'as mangé ça? Ok, bref, like, abonne-toi. Et qu'est-ce que vous faites vidéo?